Au moment où nous vous parlons, il y a le déploiement de matériel qui continue à se faire, selon les informations reçues de personnes dignes, de foi, de confiance. Au moment où nous vous parlons, les élections continuent à se dérouler dans différents centres, notamment dans la ville-province de Kinshasa. Au moment où nous vous parlons, il y a des Congolais qui votent sans carte d'électeur. Quelle crédibilité donner à ces élections? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous à cette émission. Nous allons réfléchir autour de ces sujets. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé hier. Les élections continuent aujourd'hui. Est-ce le président de la CENI a le pouvoir, a le droit d'accepter ou d'autoriser les reports des élections pour un seul jour? Parce que la loi a prévu que ça se fasse un seul jour. C'était prévu le 20. Aujourd'hui, nous sommes le 21. Est-ce que ce qui va se passer aujourd'hui, le voix seront comptabilisés comme c'était le cas hier? On en réfléchit avec deux invités. Ils sont avec moi. Rabi Epala, il est de l'école de communicateurs. Pechol Mounzenze, il est cadre et communicateur du parti politique LGD du professeur Matata Ponyo, avec ces deux jeunes que nous allons réfléchir sur tous ces sujets. Alors, c'est parti, je commence à ma gauche. Rabi Epala, après avoir exigé le cadre de concertation, aujourd'hui, est-ce que les Congolais peuvent te donner raison? Parce que tu avais déjà prévu que les élections vont se dérouler de manière, en tout cas, catastrophique, comme tu l'avais dit récemment. Mais aujourd'hui, on constate que le Congolais se plaint, le Congolais pleure. Est-ce que vous pensez qu'il est temps, pour sauver la République, que les Congolais, le politique, se mettent autour d'une table? Parce que d'une part, Fayulu exige qu'on puisse reprendre tout à zéro. De l'autre côté, du côté Katumbi, il y a Matata Ponyo que je suis, qui selon lui pense que Katumbi a remporté les élections. C'est de l'Union Sacrée pense que c'est Félix Tshisekedi. Mais est-ce que vous pensez qu'à ce stade, il faudrait que le politique se mette sur une table au regard des irrégularités, au regard du désordre qui a été enregistré hier dans différents bureaux de centre, sur bureaux de vote, sur toutes les temps de la République? Est-ce que vous pensez que le politique doit se mettre ensemble pour discuter? Ok, merci beaucoup cher Nathan pour l'invitation premièrement. Je salue également mon co-débatteur et puis je salue tous ceux-là qui nous suivent à la maison. En tout cas, cher Nathan, Ezamawa. Ezamawa parce que mon état est tout ça, ma maman Moka. Ça va bloquer la légèreté. Aujourd'hui, quand je vous disais ici que non, les élections ne peuvent pas être organisées le 20 décembre. Ça qui n'a pas sentimenté. Moi, je suis chercheur en droit électoral. Donc, les droits électoraux, c'est ma vie. Non. Quand tu as un écoli, na kelasi ya marambo matali ma ponomi, na ben ndisi ali sur terrain na minto et ali impossible de tenir ba élection, il y a bonne qualité le 20 décembre puisque il ne suffisait pas d'aller aux élections. Mais il a fallu que nous irions dans des élections qui seront crédibles, libres et apaisées, favorables à toutes les parties prenantes. Moi, je me suis dit, puisque c'était, je pense, depuis les mois de mars, je l'avais annoncé ici. J'ai trouvé que cela n'était pas, n'annonçait pas bonne chose. Je me suis dit que non, je ne pars pas. Présentation. Je me suis dit que non, je ne pars pas aux élections. Je me désolidarise des processus électoraux. Je voyais que ce n'était pas sérieux. Alors, tant qu'on a solidarisé la procédure électorale, le col en Ali, moi, en Mboka, en Ali, en Bolingo, en Kosovo, Mboka, qu'est-ce que j'ai dit? On a dit non. On a dit qu'en Mboka, le mieux serait que les politiques se mettent autour d'une table. Tant le cas, on a dit qu'on a le poteau cadre de concertation. Non. Cadre de concertation, Ali, pour le cas, Mboka, cadre de concertation, Ali, mon étoile, Ali, africain. Il y a une valeur en abyssal au corps africain. Donc, ceux qui m'ont indi, et c'est un ami qui va faire la place, mon corps, basolo, la balouka, bas solution, parce que, dans les sangandes, ma canicia, ma longue, bimaka, tu fanda, tu vas organiser ma pronomie, ma solo, ceux qui ont besoin de 2 ans, 3 ans, moi qui ai l'ibok en abyssal au corps, moi qui ai l'abyssal au corps, soit tout ça, ma rambou, à la va vite, n'est-ce pas, au cas du massacre qui lobby. Donc, c'est le dire, comme on l'a pas fait, c'est ce qu'on a eu raison, parce qu'on voit qui pourra y avoir. Déjà, je rappelle que Nayamba qui a eu plateau na ba mission ebele ba ko mumana musu ba telemela ki o ba lobite ne ko rabia di ki partage ya poste o lobby. Il fallait te respecter cadre et non, solo là. Non seulement ba kongomani ba leader d'opinion ebele ba pesinga raison le lo Martin Fayulu m'a dit d'a pesinga raison. Mais
Là, le président Martin Fayulu, parce qu'il a raison, Martin Fayulu a yé Mokolo a fait les points de presse avec 5 autres candidats pour dire que non, Maramango est qui n'a pas mabé. Et c'est un tovan à tobandela. Or, quand on a tobandela, c'est une manière de parler. Ni quoi banini, tovan à toyokana, tous on va régler à solo pour nous amener tout organiser l'élection à solo. Mais là, on va bien dans le poteau cadre de concertation. Donc, et Fayulu, et Théodore Ngoï, et l'autre là, Anzuluni, et consort, basoni la logique qu'on a naïpe. Pourtant, dans ce manière, proposer cadre de concertation, pendant qu'il était encore temps, il devait emboîter les pas, il devait prendre ma démarche, adopter ma posture pour être sauvé Mboka. Les loyaux, tout ce qui est dans le contexte, tout ça, on a évité, on peut l'appeler, tout ce qui s'est passé hier, ce qui continue de se passer maintenant, on peut dire que c'est tout sauf une élection. Je ne sais pas ce qu'il y a le congrès à UDPS. Ce qu'il y a le congrès à Union Sacrée, moi je ne sais pas, mais c'est tout sauf une élection. Pourquoi? Parce que les élections, ne sont pas encadrées juridiquement. Et ont des encadrées juridiquement. Les gens qui ont été encadrées, qui se permet, je ne sais pas si on a eu compétence pour dire que non, on a reporté l'élection, on va voter les lotés, on va voter à mon lobby, mon cher, mais c'est désolant. Mais mon bec au lobby, Lili, n'a pas c'est désolant, mon cher. S'il vous plaît, Rabi, est-ce que vous pensez que le président de la CENI a raison de demander à ce que Babiro Oefoua m'a quitté? Et va Babiro n'y a sauté. Alors, Bika, quand Babiro Oefoua m'a quitté, l'obité, va poursuivre, va fongo l'ango l'élo, va congolais, va voter. Je rappelle ici, quand on a toujours ça l'émission, ba machine ezo tambolaka ezo kene na ba bureau ngai na moni na zuba image na vanango oyo bazola kisanga d'ailleurs batindi ngango siko na kotinda certainement na régie pour diffuser yango nenge ba machine ezo tambole ezo kene na ba bureau pour ba kongole ba voter. Mais est-ce que kanisi que Denis Kadimaza a raison de manière unilatérale yemoko asenga ba élection et continuer le 21? Non, il y a un groupe de gens qui ont fait la macambo, qui ont fait le kanza. Quand on a fait le peuple, on a fait le peuple. Il y a un peu avantage à l'état de droit. Mais l'état de droit, il y a un peu d'avantage à l'état de droit. Il y a un peu état de droit dans l'ingala. Donc, tant que Kadima, président de la centrale électorale, il y a une compétence qui est réduite puisque la compétence est toujours d'attribution. Ça, c'est le principe. Kadima vient pour vous dire que nous avons reporté l'élection, mon cher, en vertu de quelles dispositions légales? Puisque les reports, la décision du report, cela émane du juge constitutionnel. C'est pas un individu comme Kadima de déclarer les reports. Puisque, bah, ça la rend dingue. Ce qui est ma condition, attendez, je vais vous expliquer. Attendez. Ils ont juste Non, mais c'est un report, papa, ils ont français. C'est un report. Un report est l'obanine. Kosa les locaux en dehors à date à prévoyer qui c'est ça un report. C'est ça un report. Kadima vient pour vous dire que non, Baou va fongola les lotes Baou ça à lobby. Qu'est-ce qui empêchait que Baou Baou Anna va fongola les lots au même à la même heure que Babiro Nyo surtout. Il y a lié une préparation. Il y a lié une préparation tant que le bagui n'a que non, il y a incapacité à Kosa sa élection à délai constitutionnel. Fala qu'il y a au Kabiso. Je le disais ici que non, Kadima avait à lui la possibilité de sauver toute la RDC. Sur ce plateau, je l'avais dit. Pourquoi? Parce que Kadima, se sentant des gens impossibles, se sentant dans la difficulté, devait sortir. Pour la Koyobi, ça va Kongomani était, na ba Kongomani, na ali na impossibilité, na ali na difficulté à organiser l'élection, bopé sangai moi ngonga, à cause ça la démarche na e, à côté quand la cour constitutionnelle a reconstaté, ba difficulté on a, et comme on a haute bien, et bopé ça sous bassement, juridique, il y a convention constitutionnelle, ne qu'on permettre, et puis sur ma politique, à tout quoi, tout va dans haute bien, cadre de concertation politique. Alors, Pétiole Mounzézé, vous avez la parole également en cette minute comme Rabbi, nous dire ce que vous aviez vécu hier. Parce que nous étions sur terrain, nous avions deux images, nous allons diffuser toutes les images. Et d'ailleurs, M. Nonon l'a déjà fait lors de son émission, nous allons davantage le faire. Mais vous, qu'est-ce que vous avez vécu sur terrain? Parce que je vis, vous avez voté. Dites-nous comment ça s'est passé. Merci, Mouanambouka. Et le Golibosso, on a repris ça. Merci, Naba Congolais Oyo.
Il y a des droits qui ont revendiqué qui ont lobby qui élection et ça les malaba milliers moussous. Parce que ils ont m'amboissonné. Ils ont m'amboissonné. Pourquoi? Mambo tout cas là au monde n'a jamais en Afrique. N'a banni en Afrique. Tous en Afrique centrale et même en Congo. Tous RDC la première. Les élections les bossot étaient organisées en Congo. Au quatrième. Ou la quatrième élection. Quatrième élection IDP c'est toujours en opposition. R tous en opposition bit n'a bissé à la nini. Toluka pouvoir. Er tozoluka pouvoir, tozoluka pouvoir avec bit, il faut tous se préparer. Ya on est là toujours dans le baraya, on a bandé le bango le loté. IDP c'est azalaka surpris aux pouvoir en 2018 parce qu'a gagné à moté. Oui, c'est vrai parce que les a pouvoir ou bando se préparer. 32 ans au basa na balabala. Ya ko luka pouvoir, ba se préparer raté. Ça dit bando ça la pouvoir, nani bando luka bazai qui dans opposition au bando benga balabala. Ça dit eza mambo soni lelo même na sur le plan international ko fingi sa mboka ko yo ki sa mboka. Liboso bisoné tiboye boyo ki sa Congo ki sa di mambo o etika na mako sala maté dans Congo mais lelo isalemi pour grâce à nini grâce ya régime o to bengi régime ya chile gelo na biso ya bande kuna ngai o a ce qui concerne l'élection ndeko ngai moko attendez beta non lisolo yo moko vota ki vota ki ndenge nini parce que ngai pe Congo mani ce qui est vrai na koki ata ko voter te na bureau na ngai place na zo carte d'électeur na nga. Je me demande na linga ki na sala nini na kende ko luka place musu na voter ton ndenge nini parce que nga na yebi ki place na zo ki carte d'électeur na nga izali place na ko voter mais na komi wana batu ebele machine ezo sala te jusqu'au soir sous la pluie pendant que j'étais en train parce que nga na dosa la misala mibale ya liboso izali ko luka ko voter ya mibale musa na nga ya ki journaliste sur terrain. Semaine 13 à Tinda Kingai. Si quoi, Namboula, n'aie pas quitté l'Okoni, y'a pour ça, n'a zongaki. Je me demande, d'accord, voter n'aimé, donc toi, on va te voir dans les kéna ou perte. Ndeko, Nazaki sur le terrain. Nazaki sur le terrain en tant que Congolais, parce qu'ils ont droit d'avoir qu'ils nous voter. Mais Nazaki sur le terrain en tant que le sous-Congolais, à quoi servir le sous-Colandé, la Makamundé, les Okindé, parce que les lots Oyo, Nai Moko, Nanoko Yepsa, on a voté qui lobby à 22h. Na 22h, je dis très bien, 22h, il y a des choses. Et puis, il y a des votes qui ont 22h, il y a une carte d'électeur. Mais carte, il y a des choses qui ont écrit, numéro national, il y a quitté. Parce que numéro. Carte, lis-moi. Carte, lis-moi. Et là, on dit qu'ils ont prouvé que les cartes sont écrites. Question à opposer. Et là, on dit prouvé que les cartes sont écrites. Parce que carte, c'est là où ils ont ni les longues, ils ont ni combo, ils ont numéro national, ils ont été. Et puis, il y a des votes qui ont place comme on a été, il y a des votes qui place qui sont R ni 22h. Est-ce que vous avez élection tous les congrès il y a des onabis bande onabis sur IDPS na 22h et puis loi et lobini élection zo bande na 7h au kadima yemo wa lobaki na 7h 11h 11h 6h fini du 7h mais élection ko bande na ba place musu sur 16h et si li et zo continuer les loko ya na ngai na kutani na ba lo ya ba matériel ba zo déployer on a 10e rue et zo kende. Et il m'a entendu, je ne sais pas destination. Na dixième, je suis en train de manger, mais je suis en train de manger. 3000 tout cas, il y a des soldats. Et ils ont des matériels, il y a des. Je me pose la question. Même pas que je respecte ta délai en haut. Mais les qui sont sous 12h du temps de 6h, on a 12h pour que nous déployer des matériels. Pourtant, il y a des gens qui ont lobby parce que, après la communication du président de la CENI, c'est-à-dire, Seigneur Lindaki est s'organiser déjà dans la même soirée, qu'on a déployé le matériel dans la place où ils allaient quitter. Comme ça, et que pour aller là quand même, et respecter à ta élection à 6h. Mon cher, place mon côté les lots voter à l'élection à 6h. Je le dis. Dans un plateau, bah, toi, sérieux. Plateau chaîne, oh, bah, balanda. Place mon côté les lots à l'élection et à 6h. Les lots. Élection, bah, place mon sous-sous. On a habité, on a minuit, on a 12h parce que les aigus, 12h. Parce que 12h, bah ok, on est en haut. Place, ils ont une destination et banité. Parce que je me pose la question, pour que tu vas continuer à voter TR. Ça dit, tout, mais au reportant, on se soutient lobby. Ça dit, c'est l'élection, ça la prend. Alors, quelle crédibilité n'y a pas ça? Le résultat, oui, que ça a bon publié par ces. D'abord, dans le bandit, ça va se préparer pour une belle élection. Là, c'est vrai. Moutounyon surtout sur mon épée bordonnali baba tu es déjà bas c'est retiré qui au moins il bande ou sur ya FCC bas c'est retiré qui parce que baza batu au mitu et zo sala baza batu au batanga baza batu au yo bas organisa déjà ma moi bas en expérience bas talaki élection kadi mazane capacité à organiser l'élection mais comme baza karabatu ya batu atile gelou ils ont dit au kende pour que bas prouver mais vaut mieux d'ailleurs
qu'organiser l'élection à Malam, na délai moussousou, qui qu'organiser bêtise, mais na délai constitutionnel. Oui, c'est vrai, Isaac, délai constitutionnel le 20 décembre, mais est-ce que vous respectez le délai wana? Délai tous les le 21. Et comme il est à jour moussousou. Est-ce que Kadima a dans la compétence, il y a qu'on reporter en haut? C'est ça la question à poser à Kadima. Est-ce que, bah, oh, bah, voter, est-ce que, bah, zok, bah, bilité, oh, bah, tu vas voter qui lobby? Lélo, ils a gardé place inib. Parce que l'élection, c'est le même jour. Parce que les lots vont voter et vous allez la place. Est-ce que vous allez voir les lots et vous allez comptabiliser la lingue encore et ça va marquer l'obi? Ils ont pas mis tout là, il faut qu'on mis tout là. Les lots, d'ailleurs, à partir de l'obi, tu remarques qui est dans la province et belé, tout le monde, il y a machine, il y a qui est dans la boîte, il y a tout le monde. Mais donc machine à voter mon tantôt bambango na mabele puis na mouya en tout cas attends élection attends élection il y a chef de classe il y a candidat à l'université et puis d'autres et ça les marabongoté attends élection à CP ça les marabongoté. Très bien, merci beaucoup. Alors on va prendre quelques images, notamment la déclaration de Martin Fayulu. Nous étions là pour le travail, nous lui avons posé quelques questions parce que selon lui il pense que tout doit être refait. Fayulu a l'oubli qu'il ne faut pas parler la nuance à zéro parce que, oh, et Salama qui l'oubli, ils ont tout sauf élection. Alors, si la régie est prête, on va prendre cette vidéo et puis on se retrouve tout juste après pour continuer notre émission. Et apaisé. Aujourd'hui, nous avons eu un simulacre d'élection que M. Kadima a essayé d'organiser et on lui a dit qu'il ne pourra pas. Il n'y a pas eu de matériel. Il y a des bureaux de vote qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas ouvert. Il y a des électeurs qui n'ont pas vu leur nom sur les listes. Ils n'ont pas pu voter. Et vous avez vu des bureaux qui ont ouvert à 14 heures. Jusqu'aujourd'hui, dans certains bureaux à l'intérieur du pays, il n'y a toujours pas des matériels, même à Kinshasa. Donc, ce que nous disons, il faut des vraies élections. Kadima veut amener le pays là où il veut l'amener. Il veut mettre ce pays à feu et à sang. Et nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes des citoyens congolais, nous voulons la paix, nous voulons la sérénité et nous disons à M. Kadima, il a essayé, il a dépensé 1 milliard 300 millions de dollars venant du trésor, c'est-à-dire l'argent des contribuables congolais. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il doit nous justifier cet argent. Alors, M. le Président, face à de telles élections, quelles considérations pouvez-vous donner du résultat? Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas eu d'élection. Comment voulez-vous avoir des résultats? Qui aujourd'hui est en train de dépouiller ces résultats? Les résultats de quelles élections? Beaucoup de bureaux de vote n'ont pas ouvert. Beaucoup d'électeurs n'ont pas voté. On va dépouiller quoi? Il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu 6 miracles. Monsieur Kadima a essayé de tenter un passage en force. Et nous lui avons dit que le peuple congolais est réveillé. Le peuple congolais n'est plus le même qu'hier. Vous avez vu l'affluence? Vous avez vu des gens qui ont demandé? Vous avez vu des gens qui ont surveillé l'intégrité des élections? Et ces gens-là, les Congolais, ont réagi. Beaucoup de gens ont dit que les Congolais sont amorphes, ils ne feront rien. Mais les Congolais vous ont prouvé aujourd'hui que ce n'est plus le cas. Il faut changer la CENI. Totalement. Il faut qu'il y ait une CENI recomposée, mais pas simplement changer la CENI. Il faut que tous ces messieurs et dames de la CENI nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 1,3 milliard du peuple congolais. 1,3 milliard de dollars. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Monsieur Kadima doit répondre. Et je crois qu'il a dit beaucoup de choses. Qu'on parlait en l'air, qu'on n'avait pas de détails, qu'on disait que son audit était du bidon, et ce n'était pas du bidon d'après lui. Et aujourd'hui, on constate qu'il n'a pas été à la hauteur. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous envisagez lancer une manifestation, question de démontrer à la face du monde que vous êtes contre ce qui s'est passé ce soir? On a fait une déclaration. On s'en tient à cette déclaration et vous allez voir la suite. Nous sommes déterminés à ce que le peuple congolais puisse avoir des dirigeants qui sont votés par le peuple. Nous tenons à la vérité des choses. Monsieur Tshisekedi a failli. Monsieur Tshisekedi a passé 5 ans à ne rien faire. Il a livré notre pays au Rwandais, à l'EAC.
Il a livré le pays entre les mains des prédateurs. Il a conduit les pays où il a institué le tribalisme dans ces pays. Et il n'est pas... Très bien, merci beaucoup. Alors, nous étions présents, comme je vous avais dit, nous étions au travail, nous étions sur terrain, nous étions allés, c'est vrai, voter, mais aussi travailler. Et puis après, on nous a appelé que Fayoum devrait faire une déclaration. Nous sommes arrivés nous-mêmes, nous avons posé de questions, vous avez tout suivi. Très bien. Alors, d'une part, Fayoum nous demande qu'on puisse reprendre tout à zéro. De l'autre côté, je viens de lire un communiqué du FCC qui, selon la famille politique de Joseph Kabila, pense que le Congolais doit se prendre en charge. Du côté Katumbi, ils disent que c'est Moïse Katumbi qui a gagné les élections. Est-ce pouvons-nous nous attendre à une crise post-électorale? Rabi est pas là, vous avez la parole en cette minute encore. Ok, merci beaucoup cher Nathan. Quand je disais qu'on devait passer, je répète encore, quand je disais qu'on devait favoriser d'abord les cadres de concertation avant la tenue de n'importe quelle élection, je savais que c'était pour éviter les crises post-électorales. Parce que on va savoir là-bas, on aime se trouver dans la déclaration belée. Au côté de l'Obaba, au côté de l'Obaba, au côté de l'Obaba. Donc, on a montré que le casque est un discours où il y a un cadre d'intérêt. Parce que l'intérêt à mon cas, c'est que tu peux faire mon Congo. Les discours politiques, Fayoum va faire action, il va utiliser le peuple pour l'intérêt. Intérêt. Il va appliquer l'article 64. Il va appliquer l'article 64 pour ses intérêts. Le FCC également. Pendant ce temps, Katumbi et ses cadres, bien sûr, basant les marches avant que non, ce sont eux qui ont gagné les élections. Et Tshisekedi aussi. Tshisekedi est également qui estime avoir gagné les élections. Au moins, les secondes, on a un mot, mais ma position comme est belée. C'est pour cela, en visionnaire, en bon compatriote, j'avais souligné qu'on devait passer par les cadres de concertation avant la tenue des élections. Parce que cadre de concertation, wana, il y a qui permettre à Bissoto, Jomaponami, à Solo, parce que tu vas te vendre, tu vas aller à réforme sérieuse, tu vas aller à audit à ma fichier électoral, tu vas procéder à ma réinscription à bateau, voilà qui est écarté régulièrement, dans ma liste des électoraux, tu vas procéder à ma contentieux des listes, tu vas aller à contentieux, il y a ma candidature à Malonga, et puis, tu vas aller à l'élection à Solo, ça allait être pour le bien de tout le monde. Si qu'on a mis tout, bon, prenons l'hypothèse, tu vas te poser la élection, proclamation et parodie électorale na bango, le 31 décembre. Bako ça la publication na bango. Tango bako ça la bloc wana, déjà na katiwana, peuple a li na parte. Peuple a li na parte, puisque le peuple n'a rien à attendre de cette parodie. Ça, c'était du théâtre, c'était du n'importe quoi. Donc, vous appelez les gens dans une élection où ma machine est alité, et là, comment vous préparez alité, tu comment. Je suis sorti hier à 5h. Pour vérifier la circonscription électorale, je suis sorti à 5h. Vous imaginez, à 5h, on a tamboli le centre tout à Rokangama. Depuis que nous avons tamboli, à 11h. Mais 5h, vous êtes sorti. Non, non. En 2018, non, il y a des indices. En 2018, ma machine est déjà à Boutou. Ma machine est à Boutou. Toye, si on était, ma machine est à l'été. Lobby, ma machine est à 21h. Donc, aujourd'hui, on peut parler de l'impréparation des délicats d'immense, on peut parler d'un manque à compétence, on peut parler d'un manque à volonté, mais tout se résume, moi en tant que technicien, et à la stratégie machiavélique ou à la mise en place par les camps Tshisekedi pour être capable de tricher l'élection. Puisque les conditions de la fraude, les conditions d'une fraude électorale, nous avons premièrement la non-affichage des listes, ça fait partie des éléments où il favorise la fraude. Le deuxième, et Ali, déploiement des kits en retard, et Ali, le mécanisme où il favorise la fraude. Et troisièmement, l'autre monde qui pratique autour de vivre, ma carte d'accréditation, ma témoin, comme côté, comme à 3 dollars. Ce sont les candidats même de l'Union Sacrée qui m'appelaient pour dénoncer ça. Les candidats de l'Union Sacrée qui se plaignent. Moi, Namboka, le problème est que ma carte et ma témoin d'accréditation ont mis 3 dollars. Donc, pour l'avoir, il faut payer 3 dollars. Ma bloc, il y a un mécanisme mis en place par Tshisekedi et son camp pour ne pas tricher l'élection. Il y a un abisso. Ils ont toujours la même posture là, parce qu'ils étaient partis. Mais ils ont une logique du départ où on a proposé qui. Nous devons sauver les pays. Puisque les élections, oui, ça va passer. Mais la vie du pays,
Puisque la aventure de Salah Kiluya, vous savez que c'est la RDC, c'est l'image du pays. Merci. Qui a été détricotée sur le plan international. Merci. Moi, je pense que pour éviter la rédaction, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard, puisque nous le disons chaque jour que c'est l'intérêt du Congo qui prime sur tous nos intérêts. Alors, tout Vanda, tout Solola, tout ça à la cadre des concerts. Je n'ai pas le partager avec Gatoté. Tout Vanda. Ce que c'est quand tu peux pouvoir avoir un déconnexion à protestant. Tu peux savoir que tu peux Kimbangiste et gérer Bissot pendant ce temps, de passer à la conférence nationale souveraine, de manière à ce que permettre tout Vanda, tu peux couper sa macane ici, pour être tu peux tomber en boca, tu peux prendre ma solo, et que ça la malam aussi. Non, c'est que tu as la logique, oh, peuple a se rébellé, et puis tu peux sa histoire morte à Malonga pour la boca, et aller au Bissot pour éviter. Merci beaucoup, Rabi et Pana. Alors, Petiol Mounzédi, vous avez la parole aussi. Est-ce que vous êtes d'avis que ceci pourrait engendrer comme ça une crise post-électorale après la publication de résultats? Parce que je l'ai dit sur ce plateau que d'une part, c'est Fayoul où on a suivi, comme il est en train de dire, que Nyon se fait pas de la zéro parce que l'élection est salamité. Senko, protestant, on peut pas décrier beaucoup le fait que désordre de la Kimakasi. Et puis après, on a le FCC au Baron Bakanissi qu'il faudrait que Peuple Atelema appliquer article 64. Et de l'autre côté, côté Union Sacrée, Baron Bakanissi que déjà, c'est Félix Tshisekedi qui va remporter les élections. Côté Moïse Katumbi également, Baron Bakanissi que c'est Katumbi qui va remporter les élections. Mais au regard, il y a Nyon Sowana, parce que Kanissi qu'après publication, sur l'élection, on a crise post-électorale, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela? Merci pour la parole encore. J'allais aussi préciser que nous répondons à la question dans deux tendances. Tendance à l'Ibosso par rapport à la vue à parti Nangaï, politique LGD, allié stratégique, il y a Moïse Katumbi. Et puis, nous avons aussi une deuxième stratégie ou deuxième pilier où nous avons qui répondre en haut et par rapport à la stratégie à politique à Vinangaï et aux Alakobonini. Merci. En ce qui concerne la question, on a dit que nous répondre ok. Biso, la tendance est à l'élection de Salemi. Le lingue Salemi, oui, c'est vrai, il y a toujours constaté un mot partout et puis dans le centre, il y a une irrégularité et ça s'est passé. Mais Moïse Katumbi a en possession déjà à pouvoir. Parce que 80% déjà, il y a peuple au Bagina qui ont voté ou 70% déjà au Seigneur au Loba. Tout le monde est toujours chapeauté déjà en tête parce que Moïse Katumbi est déjà vers la victoire au Toanako Luka pour que tu sanctionnes en haut. Bandeko, on a déjà plan à Bango, déjà préparé parce que Bazagi n'a pas été organisé l'élection, Bando Luka dialogue pour que Babé n'a pas sous 2 ans. Mais peuple, il y a Maël, il y a Moni, il y a Maël, il y a tout le monde qui est pas question de reconnaître les sources de la crise politique pour eux, mais surtout que nous sommes tous solo dans les sources de la parce que l'élection, c'est même toujours que nous même l'élection dans le lingue où ils allaient, toujours que nous voter. Il y a un problème, ils allaient, ils ont gagné déjà victoire parce que même on le dit qu'on on chante pas la victoire avant la guerre, mais ils ont déjà victoire, ils allaient et pas la biseau parce que nous avons un ami, toujours quand ils ont victoire, tout le monde a déjà sur le terrain que victoire déjà et pas la biseau parce que Moïse Katumbi a un candidat au peuple à Tchaki pour qu'on sanctionne M. Tshisekedi en place, c'est-à-dire qu'il y a un président sortant, dans le contexte où on a gagné déjà l'élection. À ce qui concerne le contexte y a technique, sur le plan technique, moi je pourrais dire que dans un pays sérieux. Un gouvernement sérieux ou régime sérieux. Alors s'il vous plaît, alors je préfère est-ce que tous on a nos vidéos, tous on ma vidéo la makambo et les cas qui lobby sur le terrain, comme ça tu zongé la secours cette fois-ci pour toi analyser mutu na mutu appelle ça makanisi na ngeni il faut te sauver mboka na makambo nyo sur les cas parce que vous savez, vous êtes sans ignorer que chacun a dopé sa vie na yé na déroulement y a élection mutu na mutu zongé kanisa que il faut boyer mais comprenne quand même le vidéo, c'est vrai ton rôle baboué ba congolais ba kanisa que toi yeka ko raconter n'importe quoi, pourtant la réalité était tout autre. Bah, image sur terrain, oh na oh bah tu vas na oh biso mongo te couvrir et zotali c'est que ma et les cas qui m'avaient, c'est pourquoi on doit prendre la vidéo, on prend une séquence, bah, séquence il y a ma vidéo et il y a certainement 5 ou 6 vidéos et puis on se retrouve tout juste après pour toi analyser cette fois-ci et enfin aussi ça nous n'a tapé sa vie naïe na oh ni on soit autorisé ça le plus tôt possible pour sauver la République. On prend les images, on fait tout juste après. Mais maintenant nous allons mobiliser par les Congolais. Et maintenant c'est lui qui vient de dire qu'il n'y a plus les élections. Nous avons trouvé des voleurs tenus ici. Il n'y a pas des élections. C'est fini.
C'est fini. Le président, il n'a pas mis. Hé, Nda, hé, la messieurs. Hé, la messieurs. Oh, t'as dit que... Hé, Nda. Tout déjà, mon nom est Teddy. Elle pouvait parler en français. Attendez pas, élection Ibanyangou. Bah, chef, ma bureau de vote, bah, quand j'ai exigé, bah, entendez pas voter, bah, quand j'étais pas quoi, député, y'a pas vidéo, vote, m'en paye. Population, bah, il y a pas foule le monde, bah, bah, tant que je suis ma bonne, non, que tu ne vas pas, député, y'a qu'à la tour. Il y a un temps de temps, 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 tout à l'heure là, je sens un centre. Nous sommes dans un centre précisément à l'histoire. Machine à voter et bande Kendaki et Ega Siko. Qui sait sous l'ennemi, ma injustice. Qui sait sous ton ennemi. Qui sait sous ton ennemi. On a enregistré la banane à toute machine et les palais. On est chez tout le monde. Je suis pas centre D. Mon oncle de la ministre, on a mon kengeli. On a de la babylo, oh yo, et zangi. Si vous avez besoin de kengeli, oh yo, zangi. Attends, l'eau, que ça vous n'avez pas mon petit mabou. Matériel exacté. Là, c'est la chaîne de Prosper. Très bien. Allez, de retour sur ce plateau, madame, messieurs. Vous avez tout suivi. Binonde Boulandi. On t'a checké commentaire pour Nazaté. Parce que tu es au banc, que oh non, on s'en va checker commentaire. Il faut la marambo. Oh non, Kamaye, tout ça, Katasignan. Non, non. Tu checkes commentaire. Binomo, on y va l'image. Il y a terrain. Il y a comme un. Alors, je commence avec, je continue avec vous parce que je vous ai retiré la parole. Alors, moi, dans Boca Pétiole, mon Zété, au Kanissimini, est-ce qu'il faudrait qu'on bande la élection d'Enge Fayou la Zosenga? Donc, il faut qu'on continue, mais qu'on veille à ce que comptage est à la Bongo et Salama Bongo, d'Enge Longo Bani. Pour que résultat est à la crédible question, il y a qu'à éviter ma trouble post-électoral. Ndego, question, Anna,
Ceux qui répondent, nous, le Badia, on répond, on a des piliers. Ok. Le bon moment, Makassi. Oui, on répond, on a des piliers parce que les amis, moi, c'est un pays sérieux où le régime, il y a tout le temps, au régime, il y a réfléchir. T'as dit, mal, les lois, ils s'est retrouvés en prison. Pour l'année. Pour le PC, on va détourner, on va organiser l'élection. Et bon, oui, salam à qui est. D'ailleurs, il y a un lobby que la machine, au moins, la machine des autres, ça veut dire que l'élection est salam. D'abord, à respecter le délai constitutionnel, ils ont prévu le 20 décembre. Les lots vont déployer ma machine. Ce qu'on a s'est posé toujours question, l'élection qui est-il le 20 ou comment? C'est-à-dire, Alinga s'est retrouvé en prison parce qu'à respecter le délai constitutionnel, il y a élection. Et puis, Mbongo au bas. Est-ce qu'il faut qu'on aille pendant que Mme Roussalamato, il faut causer là? Mais ceux qui n'ont pas le pays sérieux, parce que dans le pays, on va tout réfléchir, ou le gouvernement, on va tout réfléchir, quand il faut se retrouver, les lots, dans le Bango très bien à détention préventive. Parce que Mambo, il y a sali, na obi se doit nous s'attendre na yango. Détention préventive, ce qu'on m'a ramené sous canner et mais que c'est directement ni la. Mais c'est que tu sais que tu as continué le cause à la présidence jusqu'à l'installation de celui qui sera élu. Oui, c'est vrai, nde mi beuke lobi. Mais dans le contexte où vous fabriquez l'élection, vous posez un complice nango. Mi beuke lobi, tu auras appliqué article 64. Où ils ont pu se soucier de ma coquille, le peuple congolais, les mapoques, à revendiquer le droit. C'est vrai, l'élection, il faut saluer le délai conditionnel le 20 décembre. Pour saluer l'élection, d'abord, pour organiser des congrès à IDPS. Et puis, au lieu d'attendre le 20, pour lutter, on va mener un tir sur le 21, mais les lots, on va déployer sur ma machine. Où ils ont pu se soucier le 23 ou le 22. Ce qu'on a dit, c'est l'élection. Alors, je voulais savoir, est-ce que, au regard de ma camoufle, est-ce qu'on peut dire qu'il faudrait bah, annuler bah, bah, la zéro de l'Ossena d'une part, tôt il faudrait que bah, veiller sur comptage pour que la crédibilité à ce niveau, question à éviter des ordres et salamasso qui peut-être résultat et enchanté comme on va sauter. Ceux qui n'ont que répondre maintenant sur les plans techniques, il faut qu'on veille non, parce que même veiller dans l'Ossena d'une part, tout le monde là. Pouvoir, Ezozo n'a toujours pas Moïse Katumbi parce que Naoma tendance au Ezo qui est sur le terrain. Merci. C'est Moïse Katumbi qui a mené. Très bien, merci beaucoup, Pétiol Lomondindi. Rabi n'est pas là. Avec vous, j'aimerais qu'on puisse prendre cet aspect. Nous sommes à Kinshasa. Nous avons vu comment les choses se passent. À Kinshasa, nous avons quand même des routes où on peut vaquer calmement, où on peut déployer librement le machine à voter. À Kinshasa, le miroir, la capitale, où toutes les institutions se trouvent, voilà comment le Congolais décrit la mauvaise manière où les élections justement se sont déroulées. Mais est-ce que vous pensez que si à Kinshasa, c'est le cas dans nos différentes provinces, ça sera comment, Rabiba? Ouais, Charlatan, c'est une question vraiment intéressante. Si on est à Kinshasa, la capitale, et si Katoali n'a moins 30% de la route praticable, tu connais la situation où il y a les alliés. Ouais, on a mis 30% de la route praticable parce que le régime a dit que des Tongelok à Malongate, 30% de la route praticable où Joseph Kabila Atika, il faut le dire comme ça, il faut être honnête. Surtout, il y a moins 30%. On a mis 30% des cocos. Je ne suis pas en train de battre avec toi, papa. 30% de la route, aux deux ans, qui ça, ceux qui te tombent dans la circonstance. Oyo, je ne veux pas parler ici. Je suis en train na lomuno na katikuna na robeta masolo ya marambole qui te na mongobele na katikuna na boy na beta masolo ya leki na yeimbo. Je ne peux pas parler. Na moi, na beta masolo ya leki na yeimbo. Et pas dans la chilengi. Parce que. Il y a je vous dis, il y a des graves informations. Oh, et comme elle est surtout, pourquoi? Parce que dans la zone est belle. Marambo, ça, il y a un réseau. Moi, bien informé, ils ont été la bateau pour voyager. Tant que vous avez des informations, je vous dis, il y a à boire et à manger dans cette parodie, dans ce congrès de l'UDPS élargi organisé par Meseka Dimaï Tshisekedi. Alors, on a toujours la piste des solutions. Au moins, la minute, il faut les boire. Ne vient tirer, il faut les boire. Il faut veiller au recomptage des voix. L'accessoire suit le sort du principal. Les recomptages, c'est une opération, bien sûr, mais qui tire sa substance de l'opération des votes. Mais si déjà l'opération des votes qui est un élément principal et l'équipe a payé, vous attendez à un recomptage sérieux, un recomptage rigoureux, qui doit tirer sa subsistance dans l'élection mal organisée. Ça, c'est pas du tout cohérent. Donc, moi, je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Tolingamboka,
il n'est pas encore tout à fait lingamboka. Parce que si tu as une optique, on a une déclaration, oh lobby boy, oh lobby boy, oh lobby boy, tu as une boka à l'ibulo et c'est les Congolais. C'est les Congolais qui vont payer le prix. Tu as gagné. Tu as dit Koto et Obalobi que tu fais qu'il a gagné. Pendant ce temps, c'est le peuple qui continue à souffrir. Parce que tant que vous avez débat, c'est Faoulou qui c'est Katumbi qui a gagné. C'est Tshisekedi qui a gagné. Faoulou Koto a 5 articles 64. Pendant ce temps, Moto a koufa parce que Azalambon a reçu Baspirinte. Pendant ce temps, ça va débat, Moto a koufa Nzalazan 500 fois reçu Balipa. Pendant ce temps, Carbirin a lité. Pendant ce temps, Zélé a lité. Pendant ce temps, intolérance, ils ont continué. Criminalité zone matabatoba au Koufana est Bounaga n'est pas tika la occupé. Tant que ça va est à mettre fin de la moindre balle, allez, guerre contre Rwanda. On est à l'distraction de Cosino, non, il devait le faire, il devait le faire bien avant, papa. Commandant suprême, le numéro 1, le chef de l'État, quand même, Alobi, en gros, c'est certainement que Azana matière est mêlée pour Alobi que Mbokanabiso armé, Mbokanabiso commis prête pour la guerre. Et ça distraction de quoi? On est ça conséquent de moto. Alors tu au coin à vélo, moi tout l'année à l'été. Au moins, Mboka na mitu na pour une année comme elle est, c'est un gâteau mitu na bango ça là. C'est un gâteau tout poussé pendant ma réflexion, moi de manière approfondie pour être tout bien conservé Mboka. De bas discours en yosne na loba qui a bas discours en yosne ça là. Telle personne veut ceci, telle veut cela et comme option est l'euro. T'es allé, bas discours moi on est tentant à favoriser les intérêts égoïstes. Je répète encore ici, je réaffirme, je persiste que le seul moyen pour sauver ce pays, c'est de favoriser les cadres de concertation, d'harmonisation des choses, afin qu'être bah qu'on la solution à problème bien sûr à peuple. Cadre de concertation, c'est pour le partage de postes. Non, non, cadre de concertation, Ali partage à poste été. Et Ali m'a elle ma belle politique. Mais Ali, non, c'est ça la vie déjà. Déco. Élection, c'est une élection à qualité ni. Puisque peuple oh yangaï, à quoi s'attendre dans la résultat ben élection au peuple a causé le changement. Donc, il dit que le changement est que vous n'avez jamais dans ma pronomie. Parce que volonté n'a yé. Donc, déjà, la règle des principes, il faut faire respecter volonté à peuple, bateau si à moté. Qu'est-ce qui rassure que volonté à peuple, il y a un baroto sa yango. Très bien. Merci beaucoup, Rabi Epala. Alors, je reviens à Pétiol Mounzende. Tomoni, ma candidat Moussoussou, Oyo, à battre campagne, n'a numéro Moussoussou. Et puis. Jour y a vote, il y a mon côté à qui comme il vote, il y a mon côté à bêter numéro là et bien ici le gars monte musus. Bah et ici bête dans le numéro tel à bêter un mot et bien ici. Pourtant il y a bataille campagne dans le numéro musus. Est-ce que quand ici, c'est vrai. Au-delà même de ça, toujours y a exemple musus na Kasai. Bah ne qu'on a bu ça, bah comme on m'a dit au hasard qu'on a balobé que son côté bêter numéro 20, il y a Félix Tshisekedi et bien ici le numéro 3, il y a Moïse Katumbi. Déjà, tu crois que le bâté que n'est pas comme moi, nous sommes que Moïse Katumbi a qu'il n'est pas corrompre. Tu crois que le bâté parce que quand nous sommes et ça a mis à la Kinshasa et pas député pour député national. Alors, est-ce qu'on connaît ici que Makamounia Sona et Zali manque de préparation de la part de Séni, toi Zali, tant qui est au Séni Zala Kinango, toi Zali, technicien justement au Séni Azana Bango, bah ça est capable de faire ça dans Nengé Longo Bali. Ndeko, na pasi ya otala mboka na biso le lenge tozoke na okene na yango. Mais je me pose la question. Classe politique o ya Tshisekedi, toko hérité nini? Soyez déjà séni pour élection première un mandat na ozoko ko organiser belle élection te. Mais ça prouve déjà que échoué na nyonso. Parce que belle élection va préparer ango 2 ans. On vous donne le temps. Nous sommes là tout, il faut préparer les élections. Et puis, ce que bandit, les élections les beaux sautés, vous avez 80% de machines au Nangatikaki en place. Et puis vous avez déjà de l'expérience parce que Mboka Joseph Kabila a organisé des élections autant de fois. Et puis si vous avez maillé les lots et l'élection, c'est la joue qui gagne. Peut-être à l'époque, tout ce qui a été. Mais le local du Maroc, c'est vu sur l'élection locale en 1980 ou 1990 au 20e Tshisekedi. Même à la même si 20e Tshisekedi, les lots dans la minute. Et puis, il y a un numéro opposé numéro 1 à mon anaï. C'est-à-dire, dans un pays sérieux, moi je mets du nain au Sénat, le cas du Maroc, il fallait se retrouver dans ma cala. Dans un pays sérieux,
cas d'Imaï Fass s'est trouvé. Alors, est-ce qu'ils ont manqué une préparation? Tous les amis, tant qu'ils ont manqué au Bazoui. Tant qu'il y a un contexte, tant qu'il y a un temps, tant qu'il y a un peu comme ça, il y a un temps, en même temps, tout ça va être 24 heures. Les non, mais à la différence, c'est que pour que Denis Kadima abandonne Moussala, il fallait, enfin, pour que désigner président Yassini, la confession religieuse, et là, qu'il y a de gauche à droite, la politique, la côte qui m'a kamouana, et ce qui peut-être a fait que retard épaissement pour que Denis Kadima abandonne Moussala, il y a et longo bani. Mais ça n'est pas le bon, il y a un bon. Oui, c'est vrai, ma difficulté en tout monde qui a. Mais Erio Moutoua Maele, Erbino Bozo dirige Biso, vous constatez que retard est allé. Il faut pour sa élection, pour reporter. Mais vous avez dit que vous avez dit que reporter l'élection à délai constitutionnel, est-ce que vous avez dit ce qui va se reporter? Mais délai conditionnel, il y a un autre, tout ce qui sort dans vos années. Sort dans les autres, au monde, le candidat à battre campagne, na numéro na ye, maman na moni, na numéro na ye, qui n'a ni, à qui a bêtisé, mon robe, zo bêta, oui, bah, bim, c'est le moussous. Candidat. Ce que y'a psangaï, bah, va, on y a soin de kenaki. Et qui pomme tout moussous, tu es zongé pas naï. Dans ces points, na kawana score au salané. Kadima s'est préparé à quitter une élection. Et sa question à tenter. Kadima na gouvernement et s'est préparé à l'élection. Et s'attendait que Bissot soit en opposition, tant que tu as des ordres pour que tu aies des consultation. Et ça qui souhaite na bango. Bissot tout zagi na posa. Peuple a sengagi Bissot qui est en élection pour que tu sanctionnes Ndeko. Tu sais qu'il y a Kende. Il y a un président sortant, il y a un monito comme il y a un souk. Il y a un amagoui pour qu'il y ait un service sur la table. Bon, comme l'élection est limitée, il y a tout fait dans solo. Peuple a voté Bissot. Bissot au loba peuple partout au Kenya, peuple a voté Bissot. Pour voir les autres dans la mabo qu'on a Bissot. Je le dis très bien. Peuple a voté Bissot. Tous ont sanctionné, mais c'est à Kenya gouvernement. Merci beaucoup, madame, monsieur. Vous étiez nombreux à suivre cette émission, une émission de jeunes. Il fallait réfléchir, il fallait décrypter, il fallait analyser ce problème. Il fallait vraiment réfléchir autour de tout ce qui s'était passé, donner des analyses, parce qu'il faudrait sauver le pays, c'est ce qui nous importe plus. Est-ce qu'il faudrait cette fois-ci adopter ce que notre ami Rabhi Epala a toujours prêché? Le cadre des concertations, question de sauver le pays, parce que lorsqu'il y a déjà de frustration, je parie que Makambo Sala vraiment et Rosala Nenge et Longo Banakite. Alors, cette émission est terminée. Rabhi Epala, vous avez 2 minutes chacun. Rabhi, 2 minutes pour la conclusion. Je commence avec vous, Pichol. 2 minutes justement pour la conclusion et puis je termine avec Rabhi Epala. Na ébité. Ba maman na ba tata na bilengi ba pesa ki biso makoki na courage nyonso to ya olobela bango na osenga to appliquer article 64 Congo eza ya biso. Je le répète, Congo eza ya biso. Tshisekedi ya oleka Katumbi ya oleka bango nyonso to ba oleka mais to otika na Congo o le Congo nous appartient. Congo ki mbango eza ya biso. Il faut tout élément. Tous les politiciens qui ont été mis à biso. Les Congolais, ils ont été mis à biso. Ils ont été élection, ce n'est pas ça qui. Ils ont été mis à Ram, ce n'est pas ça qui. Ils ont été lenge, ceux qui ont été élection, ils ont été mis à biso. Ils ont été mis à biso. Ceux qui ont été mis à biso, ils ont été mis à biso. Ils ont été mis à biso, ils ont été mis à biso. Ils ont été mis à biso, ils ont été mis à biso. Machine, moko bakomi, machine est plantée. Et éteindre limite na 8 heures. Machine est éteindre limite na 8 heures, Seigneur. Et où tu vois que c'est le déjà la boutou ou comment? Na Kamonya, Kamako, Kaboudila, Kaboudila, je le répète, na Est, Bandeau, na Est, Bozo, Kangaï, Goma, partout, je sais que Bolanda, Angaï, Sama, moi, quand tu es comme un atom, mon cher, on souffre. Congo est à Bissot, Totelema, Congo est à Bissot, tu sais que d'a Okende, Negokadima Okende. Tozomo na sort na ngo lelo na ngayo wana za kuna libanda kadi mapea okende. Merci. Mais Congo et otikala ya biso. Très bien. Yango de tozo conscience na eloko wana. Merci beaucoup mon Mboka. Rabhi Epala, tu clôtures tu conclus, voulais-je dire en 2 minutes. OK, merci beaucoup. On a minute en clôture na kolinga na saluer na nos peuples congolais pour la vigilance et maturité à commune na yango na lobaki yango awa ketan oko sa peuple ici. Voilà le peuple lo a telemi a komi ko qu'on s'oppose à ma élection surtout à ma B. Yango na ko pesa e ba longo ni a ebele na oyo ya sali mais etumba ezana nous makasi parce que auto ko luka po na mbongo na ya Congo
obtenir yango na nuté. Mais seulement je fais un appel à la classe politique actuelle. Bandeko, batata na ngai bakulutu, il n'est pas encore trop tard. Monsieur Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Martin Fayulu Madidi, Bamonyo surtout wana bao na libale belé professeur Matata Ponyo Delice Sanga, Boali Ebélé, na biche boali na bolingo ya Congo parce que le Congo c'est notre dénominateur commun. Oza na opposition za la union sacrée, le notre dénominateur commun c'est le Congo. To fanda esika moko to so la pote to ba ko éviter mabe o mali ko ya, te ba ko komisa mboka na kati ya libulu oyo bokamba mia mabe ya yonde ko Tshisekedi o trampé mboka. Na pe sabino ultimatum na pe sibino lelo parce que Congo ali abiso nyoso tout so kiti na date ya le 20 janvier 2024 boyebi na kubonga mate po yeto na cadre de concertation ngai rabi e pala na ko sala mobilisation na tele misa peuple pour yeto appliquer article 64 s'il vous plaît merci beaucoup, pas de ménage sur ce plateau. Alors cette émission est terminée, merci à vous deux d'être là, d'avoir été là avec nous au cours de cette émission, et merci à vous tous de nous avoir suivis. Les élections se sont déroulées, bonnes ou mauvaises, c'est au peuple de dire, de choisir. Mais moi, je suis très heureux que le Congolais, hier, se sont déplacés pour aller voter. En tout cas, c'est ce que moi j'ai aimé. C'est vraiment ce que j'ai aimé. J'ai sillonné les différents centres, les différents bureaux de vote, j'ai vu l'engouement, j'étais très content. Vous êtes sur boulevard, vous sentez qu'il n'y a presque personne. Tout le monde se dirige vers le centre de vote. C'était vraiment quelque chose qui m'avait rendu heureux. Mais je voulais aussi bien voir qu'il se déroule de bonnes élections. Mais malheureusement. Alors, salutations spéciales au directeur général Louis-France Kouzikessa qui séjourne en Europe, certainement. Il est allé se reposer. Loin des élections de Denis Kadima. Salutations à vous, le DG Louis-France. Mais moi, j'attends mes $500. L'émission est terminée. On se revoit prochainement. Merci.